Bon alors, tu t'es adressé à une foultitude d'étudiants en journalisme. Est-ce que tu penses que tu as réussi à leur donner envie de continuer dans cette voie-là? Bah, j'espère. En tout cas, le but, c'était pas de les effrayer. Le but, c'était vraiment de leur donner envie de faire ce métier-là, leur apprendre les contraintes aussi qu'on peut rencontrer et surtout d'avoir la passion de faire ce métier. Et puis, je pense que c'est toujours sympa de partager avec Jeannot Rességué, Samuel Olivier, de les voir dans un cadre un peu différent. Et le but, c'était de répondre à toutes les questions. D'autant qu'il y avait plus de différents supports. Il y avait de la radio, de la télé, un peu de presse écrite, donc ça permet de leur transmettre le fait qu'on peut faire ce métier-là de plein de façons différentes. Ah oui, il y avait la télé, la radio, presse écrite. Effectivement, c'est le meilleur moyen de montrer que tous les médias sont importants, que ce n'est pas la télé par rapport aux autres ou la presse écrite en avant. Tout est important, il ne faut rien dévaloriser. Et on a tous une passion commune et c'est ça qui compte. Ça relègue en rien les infos gênées au second plan. Mais bon, on est tous journalistes sportifs, on est fiers de le montrer. Journaliste de sport ou journaliste sportif, peu importe en fait. Peu importe du moment que la passion est là, c'est ce qui compte.